Imaginez pour nos déchets plastiques, le tout premier gel douche en poudre, reconstitué à la maison avec l'eau du robinet, a fait des vagues et continue d'emballer de plus en plus de consommateurs, en France et ailleurs. La cantalienne Héloïse Fontaine, ingénieure chimiste en traitement de l'eau, a imaginé ces produits cosmétiques, vegan, innovants mais aussi ludiques, puisque, cerise sur le flacon, l'utilisateur met la main à la poudre pour voir apparaître son suprême de douche. Depuis 2019, l'entreprise a développé de nombreux autres produits comme le shampoing, le gel lavant-main, le gel lavant-corps et cheveux, le gel nettoyant visage, le déodorant rechargeable en verre et bientôt le dentifrice. Elle confectionne déjà pour d'autres marques des produits détergents sur le même principe, liquide vaisselle-main, lessive, liquide nettoyant sol et liquide nettoyant toute surface. Son credo, l'économie circulaire, une façon de consommer différemment, de repenser son mode de consommation et de production afin d'optimiser les ressources et donc limiter les déchets. En somme, concevoir des objets plus durablement, les réutiliser, voire leur donner d'autres vocations, d'autres fins. L'équipe est féminine et dynamique. Soutenue par le réseau Cantel, les femmes chefs d'entreprise du Cantal est composée maintenant de 3 personnes en interne et 2 personnes en freelance, mais aussi de l'ESAT à Mauriac, personne en situation de handicap, qui conditionne les produits dans une démarche sociale et solidaire. La start-up utilise la production en low technology, méthode qui consiste à utiliser des machines simples, peu énergivores, laissant l'humain au centre de la production. Tout d'abord, l'entreprise réceptionne les matières premières qui proviennent à 95% d'Europe, dont une partie de France. Parfum, argile, huile d'olive. Puis elle passe à la phase de conception des produits en réfléchissant à différents assemblages en poudre, puis effectue les tests nécessaires. Tests de stabilité, tests toxicologiques, tests sur échantillons de clients. Le produit est ensuite mélangé, mixé, conditionné, semi-automatiquement, tout cela dans des locaux avec des normes d'hygiène importantes, établissement soumis aux bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques, et enfin distribué. Le rythme de production est important. Steppoint ne fabrique entre 1500 et 2000 doses de savon par jour, soit environ 10 000 produits par semaine. Bref, l'idée a fait plus que des ronds dans l'eau. Elle emballe des centaines de consommateurs. Les produits sont présents sur Internet, en parapharmacie, en épicerie vrac, chez plus de 150 revendeurs en France, et à l'étranger, en Belgique, Angleterre, Suède, Autriche, Allemagne ou Suisse. Quant aux colis, bien sûr, ils ne sont pas suremballés. Le cartonnage est recyclé et recyclé. Les emballages sont produits dans différents endroits, avec des matériaux recyclables et compostables. Les flacons sont fabriqués en Europe. Les emballages en carton étaient avant fabriqués en Tunisie, avec du papier issu de forêts protégées. Maintenant, l'entreprise essaye de prendre des emballages provenant de France. Le poids des emballages est également faible pour limiter encore plus le bilan carbone. Révolutionner la conception et la production des produits d'hygiène, ne plus jamais porter d'eau, ne plus jamais jeter des flacons, avoir des ingrédients sains et des formules courtes pour une excellente action sur votre peau en respectant la planète, faire du Made in France à un prix acceptable tout en étant écologique, sain et solidaire, c'est possible.